Vous êtes là? Salut, c'est Sabrina, je suis vos yeux. Salut les gens de Facebook. Ah oui, YouTube aussi. YouTube, ça y est, il y a la chaîne, je suis vos yeux, c'est bon ça. Ben ouais, heureusement que vous êtes là en même temps. C'est bon, c'était hier le réveillon, là, faudrait venir voir à se réveiller un peu. Les cadeaux sous le sapin. Ben ouais, c'est le matin de Noël, là. Je suis chez mes parents, en Corrèze. C'est 9h30 du mat, et puis comme je savais pas quoi faire, je me suis dit, si je faisais une petite vidéo, voilà, genre, histoire, de les remercier, là, tous ceux qui ont partagé de tous les côtés, qui ont marqué j'aime, qui ont cliqué comme des malades. Bon, ben ouais, alors voilà, un petit cadeau, quoi, 25 oblige. Un cadeau. Ouais, le cadreur, un cadeau. Ouais, celui-là. Non, je me suis dit que j'avais mieux que ça quand même. Un petit avant-goût des voyages. Juste. Retenez 5,80 m hors sol. Cherchez pas, vous allez comprendre. Retenez juste ça. Allez, cadeau! Salut à tous les voyageurs, c'est Sabrina, je suis vos yeux. Et bien pour la première destination, me voici à Carmario. Alors non, c'est pas au Japon, c'est normal, je n'y suis pas encore. Le départ est prévu pour dans un mois et demi. Mais j'avais envie de vous donner un petit aperçu, un petit peu de ce que j'avais envie de faire. Donc comme dans notre joli hexagone, on a aussi des choses très sympas. Et bien Carmario se trouve tout simplement en Bretagne. Alors vous le voyez derrière, j'imagine un petit peu que vous comprenez de quoi il s'agit. Eh bien, je suis au milieu d'énormément de menhirs. Ça date du néolithique. Alors, le néolithique, c'est quoi? C'est une période qui date entre 5000 ans et 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est toute le moment où l'homme est devenu sédentaire, en fin de compte, où on a entendu parler des premières pierres polies de la poterie. Et donc, il y a cet énorme travail également qui a été fait. Il y a des histoires qui racontent que ces pierres n'auraient pas été mises par hasard et puis que c'est en fait des anciens vieux cimetières où les Celtes enterraient leurs morts. Alors ce qui est dit également, c'est que vous voyez certainement qu'il y en a qui ont plein de formes et de tailles différentes. Eh bien c'était en fonction des richesses des gens, à savoir que un gros menhir c'était en l'honneur d'une personne qui était très riche, et puis les plus petits menhirs pour les personnes qui étaient plus pauvres. Il y a 1099 menhirs qui sont érigés ici quand même. Voilà. Juste parce que ça vaut le détour. Que vous racontez de plus par rapport à ça, à part qu'on se sent tout petit, qu'on se demande même encore avec nos moyens actuels comment ils ont réussi à faire un truc pareil quoi. Enfin, c'est bluffant quand on y est. C'est impressionnant. Et là je vais vous laisser parce qu'il y a du monde derrière qui arrive, donc ils vont me prendre pour une fille super perchée qui me file tout seul au milieu de mes menhirs. Voici le géant Magno. Je vais aller me mettre à côté pour que vous puissiez voir peut-être mieux la hauteur. Vous la voyez la différence là? Je ferai en sorte de vous trouver le nécessaire concernant la taille de ce menhir. Je pense qu'on doit tout trouver avec notre cher Google. Si c'est pas le cas et s'il y en a qui sont forts en mathématiques et qui ont envie de s'amuser à faire une petite règle de 3 qui va bien, je mesure 1m70. Donc voilà, faites le compte. Ciao, on se retrouve au Japon. J'espère
j'espère que ça vous a plu, ce petit avant-goût. Merci les gens de Facebook, merci les gens de YouTube, merci à tous ceux qui ont cliqué j'aime de tous les côtés. Surtout, n'oubliez pas de continuer à partager la page Je suis vos yeux. Hey, je suis vos yeux, je suis vos yeux. Tout attaché, s'il vous plaît, sinon vous ne me trouverez pas. Et bientôt, je suis vos yeux.com, le site qui ouvre ses portes avec toutes les vidéos en ligne. Merci à vous, joyeux Noël. Et puis, comme d'hab, on se retrouve au Japon. Maintenant, c'est J-. Moi, j'en sais rien, je m'en fous, j'ai même pas envie de compter. On se retrouve là-bas. Allez, ciao!